je vais attendre un peu ici que le monde arrive. Moi, je prépare mes deux derniers petits trucs. Seulement, tu peux ton micro. Non. Vous m'entendez mieux comme ça? Dis-moi si tu m'entends mieux. Attends, je vais peut-être baisser encore un peu. C'est là mon micro, je ne peux vraiment rien faire de plus. Oui, je vais parler un peu plus fort, t'en fais pas. Voilà, je pense que comme ça va. C'est bon, tu m'entends mieux comme ça? Wesh Laura. D'accord. Alors, pour ceux qui connaissent pas Until Dawn, c'est un peu un jeu d'horreur d'un côté. Le début, ça va. Mais au bout d'un moment, ça va commencer. Ouais, alors, si vous aimez pas trop ça, mais c'est pas trop violent. Franchement, moi qui aime pas les jeux d'horreur, bah, les films d'horreur, même directement, j'ai aussi à regarder. Alors, à suivre le Let's Play quand il est sorti. Alors, je pense que ça devrait aller. Bon, par contre, je suis pas dans ma maison de vacances, donc Mako est claqué. Ah! Ouais, ça va nickel et toi? Ouais, et du coup, Adrien t'es en retard. Oui, il est en retard. Non mais ouais, du coup, je préfère vous prévenir, ça devrait aller. Du coup, comme j'ai annoncé tout à l'heure sur le post, YouTube, c'est que le live va être divisé en deux parties. Je vais commencer d'abord par ce jeu-là. Et après, je vais décaler sur Fortnite. C'est ce qui a été le plus demandé. Bon, du coup, entre les deux jeux, il y aura une coupure. Malheureusement, voilà. T'avais dit 22h30. Est-ce que t'es allé sur comment? Mais non, je suis là. Juste pas mon message. Est-ce que t'es allé sur Discord Vortex ou pas? Parce que j'avais un mal de tête tout à l'heure. Là, ça va à peu près mieux. Du coup, c'est pour ça que je suis là et on commence l'histoire maintenant. Les moins de 13 ans, partez. Tout compte que c'est un jeu de moins de 18 ans normalement. Mais bon. Alors, quand il y aura du dialogue, bien sûr, je me tairai. Je vous laisserai écouter tout ça. Car je suis une personne vraiment très sympathique. Wesh Cassandra, tu prends un Doliprane et c'est fini. Lou, on reste en force. Ouais, mais bon, je veux dire, faut quand même que le temps que le médicament fasse effet. MDR, moins de 18 ans. Plus personne sur le live. Même si c'est moins de 18. Ouais, je sais, mais franchement, je trouve qu'il est bien comme jeu. Votre histoire est possible. Du coup, et c'est pour ça qu'il faut bien suivre le live. Moi, j'ai 10 ans. Ça fait pas peur. En vrai, c'est pour ça, je comptais sur vous pour sur ch certains choix, vous allez m'aider, d'accord? Voilà. Et voilà, et ça du coup j'en parlais à Vortex, je pense que vous pourrez revoir tout ça sur le Discord. Mais ça je le ferai, je laisserai les rediffs en épisode. C'est pas vrai, j'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave? Oh, ça va, elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur ma... Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. T'écouterai pas que toi, Vortex. Dieu quoi, Sky. Mike.
texte, oui. Mike? C'est Anna. Salut Anna. Papa a dit qu'on serait seul ce week-end. Malheureusement, je peux pas être 100% dans le noir parce que, bon, comme Josh, tu sais, je suis encore dans mon salon. Et du coup, il y a ma mère qui est là. Du coup, je vais pas pouvoir être 100% dans le noir. Mais moi, ma partie à moi, ouais, elle est dans le noir. Bon, on va commencer. Je sais que le principe, c'est un peu de tout fouiller. Alors, Anna, t'es trop sexy avec ce. Mais je parie que tu es encore plus sans. Viens dans ma chambre d'amis à 2h, Mike. Oh putain. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. Bon. Nickel. Faut qu'on intervienne. Comme d'habitude. Bon, lui il dort. On peut rien faire. Bon, après. C'est ça que. C'est grave bizarre, c'est. Attendez. Ok, bon, c'est juste une bouteille. F. Merde, Josh. Voilà. C'est pas mal. Une fois de plus, dans ma chambre et tout. OMG, Mike et Jeannette, ils font ce pécho. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à, tu sais, exploiter et voir où ça nous mène. Oh, ouais. C'est que le début, ça, Adrien. Oh putain, elle enlève son haut. Quoi? Oh, putain, c'est pas vrai. Matt? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Anna. Désolé, Anna. C'est parti en vrille, mais. C'est juste une blague débile. Merde. Vous êtes tous trop cons, vous le savez. Anna. Oh, il se passe quoi là? Allez, on va la rejoindre. Il y a quelqu'un dehors. Mais qu'est-ce que... Bon, malheureusement, je sais que sur ce jeu-là, je pourrais pas demander où surtout va, parce que comment. C'est bon, elle a aucun humour. Oh. C'était juste une blague, Anna. Parce qu'il y aura des. Vous avez fait quoi? Du temps sur certains. On voulait déconner, Bess. C'était juste pour rire. Bande de sales cons. Anna. Anna. Voilà. Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Magie. C'est pas cool ça. Oh merde! Allez, c'est à toi où on va voir mes réflexes, les gars. Rapide, prudent. On va prendre rapide, on va essayer de la rejoindre assez vite. Bon, du coup, il y a des périodes où je pourrais pas trop lire le chat. On va si vous voulez pas, MDR Vortex. Jeannette, elle va se faire manger. Oh. Merde! À mon avis, c'était pas par là. Putain, Anna! Mais t'es où? Ouais, on se demande tous où t'es, Anna. Ok. Franchement, j'aime bien là, les interactions qu'on a comme ça. Anna! Anna, où es-tu? Eh oh, fais pas manger par les loups. Ça serait dommage.
D'accord, c'est rien, c'était juste un cerf. On va marcher un peu plus vite, les gars. Oh, c'est quoi que ça par terre? Non, on voit ça, je sais ce que c'est. Bon, bah voilà. Ça, c'est fait. Totem de mort. Ouf. Quand tu vois ça, moi, je sais pas, je fais gaffe. Je vais essayer comment que. De pas que ça m'arrive, quoi. Ok, il y a un cerf. Il passe mode YOLO. Non, mais c'est ça le cerf, il est là tranquille, quoi. Oula. Et c'est franchement, c'est pas rassurant cette forêt. Moi, je réponds, en tout cas. Anna! Oui? Anna! Oh bon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis! Je suis trop stupide! Anna, Bess? Bon bah. Ça va être reparti pour les réflexes, les gars. J'aurais pu te proposer un apéro avec le cerf. Mais t'es fou, toi! OMG, Anna, elle est morte. Ah bah c'est pas malin ça. C'est pas malin. Anna, elle a fait un brûle. Tiens bon. Laissez tomber Anna ou lâchez. Je fais quoi les gars? Je fais pas confiance au mec. Ah, la merde alors. Un truc me dit que c'est pas forcément le bon choix. Fais-la tomber. Non, en vrai les gars, je connais un peu la série. Et le début, dans tous les cas, le... Peu importe le choix qu'on aurait choisi, ce serait mort toutes les deux. Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier. C'est terminé le bordel. Coup dur. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Non mais c'est bon, ça je peux juste vous le dire quoi, ça s'est déjà passé. Je sais pas vous spoil le reste du jeu, de toute façon je pense même pas trop. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien, vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois ces choses peuvent être... effrayante, voire terrifiante. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon, commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et bon, allez. Il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. D'accord, je dois être franc. Ah, c'est bon, tu me laisses les regarder ou quoi? Alors. D'accord, c'est Frenzy Farm, oui. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image? Attention, vous devez être franc. Franc. D'accord, de la joie ou du malaise? Bah moi franchement je vois pas ça comme de la joie.
Moi, je dirais plutôt du malaise. Bien, la franchise est une bonne chose. Et pouvez-vous me dire ce qui vous met mal à l'aise? Mais c'est l'image en général. L'épouvantail, ou je sais pas trop. Je pense que, en vrai, c'est l'épouvantail, même si je pense que c'est surtout les graphismes. Ouais, Shredder, comment tu vas? Je vois, je vois. Vu la tête du gars, c'est un pervers, mais il n'y a c'est quoi pas ça? d'épouvantail. Pourriez-vous rester seul à cet endroit pendant un certain temps? Disons, une semaine, par exemple? J'en sais rien, en vrai. Ceci, c'est comme ça. Non, mais je pense que ouais, en vrai. Et si je vous disais que cette maison est hantée? Eh, ça me fait pas peur, moi. Et clairement, je m'en fous. L'épouvantail vous effraie. Et pourtant, vous ne semblez pas dérangé par la possibilité de l'existence du surnaturel. J'ai l'impression que quelqu'un n'a pas été tout à fait franc avec moi. Mais si, oh, c'est toi qui délire. Oh non. Nous poursuivrons dans cette direction la prochaine fois, voulez-vous? Oh, au revoir, à plus. Pour ceux qui ne l'aimaient pas, bah voilà, c'est fini. Et d'ailleurs, c'est pas suffisant. Ah là là. Ah, on a droit à un peu de musique. C'est lui qui est chelou. Voilà. Et c'est là que la vraie histoire commence, les gars. Mais les débiles, il est débile ce gars. Vous avez le droit. Concours de chant qui le tour. Qui joue à fort. Franchement, j'adore ce jeu. Je veux voir du sang. Bah tiens, t'en avais un peu du sang avant. T'es au courant qu'on va pas en voir tout le temps du sang, Queen? En vrai, passe la soirée sur le jeu, il a l'air cool. Bah au fait, Adrien, je veux pas passer la soirée dessus parce que je vais faire... aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. Chef local, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues, Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide? Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons tout son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Remis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir, fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, on l'a refait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi, et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier, mais je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je...
Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Mais je le fais pour mes sœurs. Vous voyez? Ok, donc... Allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok? C'est parti! Oui, du coup, nous revoilà maintenant que ça s'est passé. C'est que, au fait, je séparais ça... pour faire plusieurs épisodes. Et comme je le fais qu'en live, c'est ça qui va faire que... Mais t'en fais pas, je vais en faire plusieurs, je crois. C'est par chapitre. Alors je vais faire plusieurs chapitres, t'en fais pas. Non, et puis ouais, vous en faites pas, j'ai essayé comment... Pour au pire, mardi j'essaie de faire un live Minecraft et mercredi je vous ferai un live dessus par exemple et il sera un peu plus long. Donc voilà, t'en fais pas. Vous en aurez, voilà, un amitié 10h jusqu'à l'aube. Ok. Ah, et là l'histoire commence. Ah, qu'est-ce qu'il veut lui? Du bon temps, tu entends quoi par là? Sa meilleure amie d'Anna. Appliquée, bienveillante, audacieuse. Franchement, ouais, et pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu franchement trop chaud. Ouais, je suis d'accord avec toi, il est trop beau. Et j'ai essayé de le regagner aujourd'hui. Je verrai si je l'ai ou pas tout à l'heure. Bon, allez. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est un jeu où faut bien fouiller un peu partout. Parce que, comme vous avez pu voir, il y a pas mal de totems cachés un peu partout. Et du coup, ça peut grave nous aider, quoi. C'est pour ça que je marche un peu en zigzag. Parce que bon là, ça va pas être comme les autres où il va y avoir un petit truc. Ça va vraiment être caché, faut que je tombe dessus. Le portail est cassé, grimpe par dessus, Chris. Bah, il est vraiment cassé. Ils te l'ont dit. On va réessayer, on sait jamais. Toujours pas. Quel dommage. Bon, du coup, faut trouver une autre. Ah là, sur le mur. Escalader. Rapide ou prudent? Bon, on va y aller prudemment. On n'est pas très pressé là, de toute façon, ça va. Sauter, grimper. Ouf! La dernière seconde! Au moins ça ne fait son pas. Éclater le portail, mais ouais, c'est le portail le plus éclaté. Ouais, ouais, non, mais j'adore, c'est pour ça. Et aujourd'hui, au fait, j'ai réfléchi. Et au fait, bon, j'aime bien Minecraft, Fortnite, tout ça, mais c'est vrai que. J'aimerais essayer de faire plein d'autres jeux. Alors, même si c'est des jeux comme ça où je remets la rediff en live, mais ça peut faire un peu du contenu, tout ça. Ouais, et ça franchement ça change un peu. Salut petit gars. T'as faim? C'est ça? Oh mince, j'avais pas vu, je lisais votre chat. N'aie pas peur. C'est bien. Allez. Là on va pas bouger les gars. T'es
Je parlais plus. Dans les trucs où je vais pas bouger, c'est normal si je parle pas, les gars, vous n'en faites pas. Mange l'écureuil, mais vous êtes fous, vous! Franchement, mais tu vas pas. Mais tu vas pas. Mais franchement, les gars. Bon, y a pas de totem là des fois? Non, pour l'instant il n'y en a pas. Ah, c'est quoi ça? Ah, je me demande, ça, ah oui, voilà, ça parle un peu des différents papillons, la population indigène et les trophées des papillons, les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes pensaient que les papillons transportaient les rêves et prophéties et les prophéties de possibles futurs. La couleur des papillons indique la nature de la prophétie. Mort, les papillons noirs annoncent la mort de la personne en train de rêver. Ok. Danger, les papillons rouges provoquent les arrivées d'un événement dangereux. Ok. Tragédie, les papillons marrons prédisent une tragédie touchante, touchant des amis. Conseil, les papillons jaunes offre des visions pour aider et guider. Chance, les papillons blancs apportent des rêves de chance et de bons augures. Voilà. Du coup, il y a 5 couleurs de papillons. Et en fonction, voilà. Perso, j'ai jamais goûté. Ah bah, tiens. Il y a un totem, justement. Découvrez des totems au cours. Voilà. On va le regarder. Chut. De conseil, ok. Et normalement, je crois qu'il y a une touche pour. Je crois que normalement, il y a une certaine touche pour revoir les totems. Ah oui, voilà. Ah ouais, et puis là, de toute façon, ça nous rappelle lesquels, ok. C'est donc R1. Bon, je vais quand même regarder un peu, on vient voir d'un totem, je sais pas quoi. Mais tu vois, Queen, t'as envie que je mange tout ou quoi? Dis-le-moi si t'as faim. Waouh, des graffitis à cette hauteur. Le passé est hors de notre portée, d'accord. Le passé est passé. Chris, est-ce que t'es là? On va fouiller là-dedans. Y a rien, d'accord. Bon, c'est fermé. Là, je sais pas là, non. Ok, c'est pas grave. Y a quoi par là? Mais non, mais c'est pas là que je veux aller. Ah là. Oh. Ton sac est là. T'es où toi? T'es pas dans le sac quand même. T'es où? Eh ben, regardez-moi ça. Défonce la porte, mais je peux. Il y a des trucs que je peux pas faire. Fermer le sac ou fouiller. On va fermer le sac. Peut-être pas fouiner dans les affaires de Chris. Non. On va pas commencer à fouiller tout ça quand même, les gars. Chris, Sam, t'as pu venir? Ah, j'aime bien. Je vous dis, ouais, je vais vous faire, mais ah, le béguin pour Ashley, méthodique, protecteur, comique. J'aime bien. Je vous dis au début du live. Ah, je vous laisserai voir, mais au fait, incroyable. Je vous connais. Quoi? Si je voulais choisir, vous allez me donner que les mauvais choix. Bien, c'est par là. Oh, où? Juste à côté. Tu vas halluciner. Mais vous arrêtez de voir tout le monde comme des psychopathes, vous aussi. Oh, attendez. Avis de recherche. Victor. Ouais, recherche. On va nous retrouver dans la rubrique fait divers. On dirait qu'on va pas tout lire. Ah, mais non, l'endroit est désert quasiment toute l'année, personne ne vient ici. Bon, on va pas tout lire, les gars, franchement. Tada! Ça le fait, non? Waouh! Ouais! Que c'est beau! Quand même! T'as vu ces merveilles? Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là? Comment ça? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski? Dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh? Non. Il se prend genre pour Davy Crockett. Tu veux essayer?
Non, après toi, Croquette. D'accord. Ok, allons-y. D'accord. Ok. Ok, là ça va. Ok, alors, je suis en train de prendre un peu les trucs. Ok. Oh, ça va pour viser, c'est assez facile. Ok. Ok, ça va. Waouh, joli tir, cowboy. D'accord. Prends le gun et bute-le. Mais arrêtez! On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Oh, un petit écureuil. Un petit écureuil qui sautait de feuille en feuille. Les gars, je vous vois venir. Non, je ne tue pas l'écureuil. Et regarde-moi ça. Comme Sylvie. Hey, Buffalo Bill, notre taxi arrive. Mais je commençais juste à m'échauffer. Allez, Chris, le téléphérique. Non, je ne tuerai pas ça par contre. Et malheureusement, je peux plus. Ah, on est Chris maintenant. Ok, on peut rien faire là. Franchement, j'aime bien cette petite ambiance là. Non, c'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, c'est clair. Arrêtez. Dès que je suis arrivé, tout m'est revenu en deux secondes. Oui. Ah non, c'est rapide. Bah non, elle est fermée. On l'a vu tout à l'heure. Ouais, Josh voulait qu'on la laisse fermée pour pas que les gens rentrent. Il a dit ça ? Quels gens ? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. Attends, peut-être que je peux faire un truc, moi. Après toi ? Ah, voilà. Très gentleman. Je suis sûr qu'il avait la clé. Ah là, je savais qu'il avait les clés. On va aller là. Je suis sûr qu'il y a des trucs à regarder là. Ah voilà. C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison. Même en étant plein aux as. Ils sont pas okay. Si riches. Ils ont acheté qu'une montagne. Et bah c'est vrai que franchement tout le monde peut acheter qu'une montagne. Ça par contre c'est... Ouais. Je pensais que pourquoi il y a des caméras ? Bon, on va attendre. Je trouve ça chelou. Je commence à voir l'intérêt de passer du temps au stand de tir. Combien de temps ça va prendre ? C'est une grande montagne. Ouais. C'est beau de jour, mais de nuit, elle paraît tellement menaçante. On dirait un géant endormi. Tu vas le publier ? Quoi ? Ton joli poème, le géant endormi de la forêt enchantée. Ah, ferme-la. Bon, allez. Bon, bah on y va, les gars. Enfin, on y va. Eh, à poule. Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et roupiller, mais. T'es tout calme okay. Ou je donne ton snap à la fameuse Jade. Eh, non, tu te calmes, toi. Le téléphone, il va casser. Ah, non, le téléphérique va casser. Allons-y. L'aventure commence. Oh, j'espère qu'on va pas le regretter. Quoi ? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Wow. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, non, c'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non ? Merci, c'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler. Oh, ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu en fait, Josh ? J'ai tout ce qui meurt ou quoi ? Non. En CE2, Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas.
Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et ? Bah, j'ai dû aller au fond. Et ? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons... Tout le monde doit mourir, mais calmez-vous. ...que ce jour-là, ce soutien-gorge avait dépassé son décolleté. Hein ? Qui sait ? Tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même ? Ou carrément, avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi. Boum ! L'effet papillon. L'effet papillon. Bizarre qu'il nous parle de ça. Ah là là, les gars, vous me tuez. Et c'est dingue, ça, vous me tuez. Oh ! Jessie, la nouvelle copine de Mike. Naïve, assurée. Ok. Tiens. De nouvelles personnes. Allons les accueillir. Mais elle est un peu stupide, elle ou quoi ? Oh ! C'est quoi ça ? Jess ! Hey ! Jessica, hein ? Par ici ! Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans ? On est coincé dans ce truc, là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît ? C'est... La SNCF est arrivée, grave. À la gare, d'accord. De toute façon, ils vont mourir. J'ai écrit leur nom. 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Dans le Death Note. N'importe regarde, quoi. J'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. Hop là. Hé. Eh bien, qu'avons-nous Chris là ? Chris. C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer ? Je me demande. T'aurais dû les laisser... Alors, je sais quoi ? Je mets « Insister, rends-la moi » ou « J'explique tout ». C'est vous qui choisissez, les gars. T'aurais dû les laisser... Explique, insister. Pour l'instant, il y a deux explique. Bon, j'ai expliqué du coup. Mike et M, c'est fini. On est ensemble. Oula, dur. Pas vraiment. C'est très simple en fait. M dégage, moi j'arrive. Oh ! Comme ça, ils vont se battre. Allez, trois explique et deux insiste. Voilà. D'accord. Rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi, je vais attendre un peu ici. Pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike ? Quoi ? Je veux dire... Peu importe. On verra. Ouais, bien sûr. Oh, vous voyez cette vue ? Elle est magnifique. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer un bon coup. Ouais. Sérieux, ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique. Ex de Mike. Intelligente, entrepreneuse, persuasive. Je pense pas que ça aurait été aussi joli. Matt, le nouveau copain d'Emily, ambitieux, sportif, motivé. Tu vois ? Et notre porteur, hein ? Il est où ? Oh, elle, je l'aime déjà pas. C'est dingue. Bah respire, connasse. J'ai déjà envie de lui mettre des claquettes. Il y a presque. Non, c'est juste que je commence à flipper. Ah, ouais. Ça va faire bizarre de revoir tout le monde là-bas. Ça sera sûrement pas une fête comme les autres. Enfin, qu'est-ce que t'en penses ? Putain, mec ! Mike. Débrouillard, déterminé, persuasif. Sérieux ? Michael ! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes. Sérieux, putain, mec. J'ai failli frapper. Sympa. Michael, t'es trop con. Oh, allez, on est tous potes ici, hein ? On n'a pas besoin de violence. C'était juste pour se marrer.
On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance? Sérieux? Tu te fous de ma gueule? J'essaie de détendre l'atmosphère, Em. Sois pas comme ça. Comme quoi? Arrête tes conneries, t'as toujours été comme ça. Accueillant ou menaçant. Bon, je pense que vos choix, je les connais déjà. Du coup, je vais prendre l'opposé. Ok. Tout spot, bien évidemment. Ouais, bien évidemment. Menaçant. Le but, c'est quand même faire les bons choix, les gars. Faut pas juste chercher la baston. Mon but, voilà quoi. Bon, j'écoutais, de toute façon, il n'y a que des menaçants. Michael, tu vas devoir t'y faire. Ouais, je vais tout seul. Emily et moi, on est ensemble et il n'y a rien à dire de plus. Et je vais pas te le répéter. J'ai confiance à ton chat. Est-ce que je comprends bien? De toute façon, vous avez décidé. Je pensais qu'on pouvait dépasser ça. Être pote, mais... Bon, d'accord. Mike. Non. Ça va aller, je vais continuer mon chemin. Être plus mature et me démerder par moi-même. A plus. Il a compris le message. Tu sais que t'es excitant quand tu fais ton mal dominant. Ah, voilà. Oh, merde. Quoi? Tu peux... Prends ça pour moi, s'il te plaît. Les sacs? Ouais, tous les sacs. Pourquoi? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Ah, je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la voie. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça peut pas attendre, mec. On y est presque. Balayer. C'est important. Matt, s'il te plaît. Alors, insister, je ne te laisserai pas seul ou ok, je vais y aller. Alors, on fait quoi? On va acquiescer ou on va insister, les gars? Allez, les gars, go, faut répondre au tac au tac. Bon, insister. Bon, il y a trois insistés, deux accueillants, on va insister. Je pense que c'est la mauvaise idée, mais bon. Je pense vraiment que tu devrais pas y aller toute seule. T'es sérieux? Il fait froid et la nuit tombe et... Et donc tu vas me protéger de la nuit qui tombe? Je vais laisser nos affaires là et venir avec toi. Personne va les voler. Matt, tu te fous de moi? Tu peux même pas me laisser seule 5 minutes? Tu me prends vraiment pour une gamine? C'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi tu m'écoutes jamais? Pourquoi tu remets en question tout ce que je dis? Désolé, M. J'essaie juste d'être serviable. Bon, bah, si tu veux être serviable, t'as qu'à monter toutes les affaires au chalet le plus vite possible, ok? Ah, la connasse. Je l'aime pas. Ok. D'accord. Comme tu veux. Merci. Je te rejoins là-haut dès que j'ai trouvé Sam. À toutes. Ah, je l'aime pas, celle-là. Ça, ils sont bruits. Vous m'énervez, vous. Ah, c'est Ashley, ça. Oh. Je l'aime bien, elle. Ashley. Des gains pour qu'elle soit curieuse, honnête, studieuse. Waouh, ouais. Ah. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Et pas vraiment dans le bon sens du terme. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture. Ah! Oh putain! Bordel! Oh non! Désolé, je suis désolé, je vais pas te faire peur. Bon sang, mec. Allez, bah, je voulais te faire peur, oui, mais pas te faire peur pour de vrai. C'est pas vrai, tu fais chier! Oh, bah. Non, mais désolé, Ash, sincèrement. C'est bon, ça va. Ah, oh, j'ai pas envie qu'elle meure, Ashley. C'est intéressant. Laisse-moi regarder. Encore, je vais dire, regarde ou mentir. Alors là, les gars, je vais pas vous écouter. Ah, je suis mort. Elle me fait peur. Là, par contre, je vais pas vous écouter. Je vais mettre mentir. Non, c'est. Non, c'est un mort. Peu cassé. C'est pas vraiment intéressant, quoi.
Quoi ? Enfin, c'est juste... Sérieux ? Mon but, je veux bien vous écouter... mais mon but, c'est quand même de faire survivre. Non, j'ai insisté. Non, vraiment, Matt, t'abîmes pas les yeux avec ça. Le simple fait de regarder dedans m'a donné mal au crâne, alors non, non. D'accord. Bah, pas de soucis, si tu le dis. Eh, je vous écoute pas, c'est mort. Parce que mon but, c'est de faire survivre le plus de personnes possible, les gars. Non, mais c'est pas drôle. Bon, je fais quoi, le portable ou le livre? Ah, je veux pas le savoir, les gars. Bon, vas-y. Faire ça. Mets tes mains là où je peux les voir. T'es cerné. Mais qui suis-je pour répliquer? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au poste? Mais c'est trop bien. C'est trop bien de faire un truc comme ça. Si tu présentes ça comme ça. Oh, elle est boum. Tu vas payer. Tu sais ça. Où est-ce que tu te caches, ma petite poulette? Mais franchement, il est grave nul, Mike. Il filme. Chut. Y a quelqu'un? Allez. Hey Mike! Ah boum! Ouais, tu m'as eu. Mais c'est le coup. Mais ta gueule toi! J'ai esquivé. Tu peux pas m'échapper, Michael. Tu sais que je te connais par cœur. On va rien faire. On touche pas à l'oiseau, les gars. Et boum! Ouais. Je vais trouver Jess. Et puis quoi? Bah malheureusement, il y a du décalage pour vous. Dans tous les cas, les choix rapides, vous pourrez pas les choisir malheureusement. Je t'ai eu. C'est fini. Bien fini. Alors j'ai fini par terre? Je crois pas. Je crois que tu le saurais si c'était le cas. D'accord. Alors, te rends-tu, vil Manon? Vous êtes un brave adversaire, Reine Jessica des Boules de Neige. Ok, ça sonnait un peu sale, là. Madame. Bon, allez. Je sais que vous attendez ça, les gars. Waouh, garde-en pour plus tard, mon grand. Mes réserves sont inépuisables. Oh, mais faudrait savoir, vous. On va rentrer au chalet. Ouais, c'est joli ici pourtant. La vue est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours. Voilà, maintenant, on veut plus. Mais j'avoue, vous êtes grave juste chiant. S'embrasser? Bah, entre guillemets. Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets. Ouais. Bah, en vrai, j'aurais été tout seul, j'aurais choisi la boule de neige. Mais bon, c'est ce que j'aurais dû faire comme vous changez toujours d'avis, les gars. J'aurais dû lui mettre une boule de neige en pleine tête. Ah, ah, votre pote, il est bonjour, de retour. Bonjour. Comment allez-vous? Je crois que la dernière fois, vous n'avez pas été tout à fait franc avec moi. Oh, c'est faux, ça. Ça fait des années que j'exerce ce métier. Ne pensez pas pouvoir me berner. Alta. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Prenez ce livre. Ouais. Feuilletez-le.
Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. À votre avis, il y a l'option lui ou pas? La femme m'inquiète ou l'homme m'inquiète? Bon, allez. Ça, je vais le faire avec vous cette fois. L'homme ou la femme, les gars? Homme. Ouais. Homme. Ok, bon. On va choisir l'homme. Ouais, 3. Trop tard. Avion ou la foule? Bon, je vais vous laisser toujours un peu le temps qu'il y a du décalage. T'importe, Arlou. Avion. Ouais. Avion, avion. Dès que j'ai trois fois la même réponse, je charge pas. Ouh. La noyade ou le vertige? Moi, je dirais plutôt le vertige, je pense. Noyade. Noyade. Vertige. Ouais. Pour l'instant, c'est la noyade qui le remporte. J'attends le prochain vote. Vertige, bon. Le prochain sera vraiment... C'est Queen qui va départager. Ok, vas-y. Ah, il y a un son. Les serpents ou les rats? Loup relance le live. T'as un gros décalage. Ouais. Ouais, t'as un petit décalage là, loup. Serpent. 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 Ok. Moi aussi, pour le coup, sur choix là, j'aurais choisi le serpent aussi. Ok, on change. Les armes à feu, les pistolets ou les couteaux? Armes à feu. Couteau, couteau, il y a du sang, pistolet. Alors il y a deux couteaux, il y a deux pistolets les gars. Bah on va choisir le pistolet, allez. Ah bah trop tard. Alors cette fois-ci, ah, serpent ou cafard? Je pense que ça va être le serpent, franchement qui aurait peur d'un cafard? Bon, j'ai un petit problème de chat, alors je vais devoir le faire un peu tout seul pour l'instant. Je suis désolé les gars. J'ai essayé de prendre celui... Les clowns ou l'épouvantail? Vas-y, je vous laisse voter le temps que je me remets le chat sous les yeux les gars. Comme ça pour les retardataires, vous pourrez voter aussi. Ok, voilà, je suis de retour sur le live. Du coup, je vais prendre vos votes en compte. Voilà. Alors, clown, clown. Ok, tout. Ouais, franchement, le clown faisait le plus peur. J'aurais. Ok, Queen. Le... Ah bah tiens, le sang ou les corbeaux, les gars? Ah, c'est dommage que Queen est partie, c'était vraiment la question pour elle là. Ah, après tu me diras, c'est pas vraiment du sang là, c'est savoir lequel des deux vous dégoûte. Alors bon,
Corbeau, corbeau. J'avoue, vous, c'est pas le temps qui va vous dégoûter, les gars. Franchement. Pour tous ceux-là qui réclament du sang, franchement, depuis tout à l'heure, si vous me sortez le sang, là, il y a trois corbeaux. Oh, je vous ai fait peur, mille excuses. Alors non, vous en sortez bien. Détendez-vous. Essayez d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. À partir de maintenant, je pourrai plus vous écouter, je pense. Ah si, tu me diras. Il est chelou le gars. Bah bien sûr. Franchement, j'aime bien, moi ça me laisse encore plus le temps. Par contre, maintenant je prends directement la. Ah mince, j'ai pas vu qu'Adrien avait parlé, mais je prends le premier commentaire, je mettrai lui maintenant, ok? Corbeau ou l'aiguille? Comme ça, on va essayer d'accélérer un peu plus, corbeau. Je vous dis, j'allais au tac au tac. Vas-y, la suite. Clown ou zombie? En vrai, ça, vous étiez tous sur le corbeau, là. Clown. Ok, le clown. Franchement, les zombies, ça fait pas trop peur, en vrai. Après, c'est l'image qui donne. Bon, cette fois-ci, j'ai donné mon avis. Je vais prendre le loup. En vrai, j'ai pas peur des loups, mais j'ai envie de donner un peu mon avis. MDR, je suis toujours. Bah, ça va, vous avez choisi le loup. Le loup ou les orages? Alors, les gars, vous avez peur de quoi? Loup? Bon, bah, on va choisir les loups. Orage, loup. Voilà qui est intéressant. Ça servit à rien son truc. J'avais encore tout le temps que je voulais. Pour cette si grande application. Les araignées, les clones, les loups. Drôle de combinaison, de quoi passer un bon vendredi soir. Alors on est dimanche soir, d'abord. Ah. Je regrette, la session touche à sa fin. Mais ah bon? Je vous promets que nous en reparlerons bientôt. Ah là là. C'est bon, c'est la fin du psychologue, les gars.